soit ça va terminer main dans la main, soit ça va sprinter. Mais quand j'ai vu que c'était la même assoce, je me suis dit, non, bah, je sais comment ça va se terminer. Steph, tu étais déjà nul l'an passé, hein, je crois que tu avais fait 4e ou 5e, il me semble. Hein, on se connaît un petit peu, hein, puisqu'on se voit en Coupe d'Or, pas assez souvent. Et puis, Alain, est-ce que Stéphane t'a un petit peu attendu sur la fin, intrinsèquement, quel plus fort entre les deux? Alors, Alain est très en forme en ce moment. Il faut reconnaître qu'il a une grosse préparation pour le marathon de Paris. Et puis, bah, du coup, il surfe sur la bonne forme en ce moment. Voilà. Voilà, mais c'est sportif au moins de reconnaître le mérite des copains. Donc, félicitations, Steph. Hein. Donc, Alain, Steph vient de nous dire que tu surfes sous une bonne forme actuellement. C'est le cas. Oui, c'est le cas, mais voilà, il est très très fair play. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il est largement au-dessus au niveau. Voilà, il a un niveau que je n'aurais jamais. Il a été très sympa, il m'a accompagné tout le long. Et voilà, si j'ai pu faire quand même une bonne perf aujourd'hui, c'est quand même énormément grâce à lui, parce qu'il m'a attendu, il m'a encouragé. Enfin voilà, lui il a fait un footing quand moi j'ai donné tout ce que je pouvais. Quoi. Donc c'est voilà, on peut pas comparer. Hein, c'est, voilà. Mais il est très fair play. Mais je dors. Non mais voilà, quand on fait partie d'une même